Quand les justes prospèrent, le peuple se réjouit. Quand les méchants gouvernent, le peuple gémit. C'est dans Proverbe 29, 2. Les nations et les peuples sont en train de souffrir à cause de gouvernements qui sont injustes. Lorsque le peuple se repent, Dieu intervient dans leur faveur. C'est-à-dire, vous pouvez le voir dans 2 Chroniques, chapitres 7 et 14. En ce moment, l'Ukraine est en train de souffrir. En ce moment, il y a des bombardements, il y a de la souffrance. Mais l'Ukraine n'est que le pays le plus récent, la nation la plus récente, à souffrir de guerre. Et nous voyons que ça se passe aussi ailleurs dans le monde, malheureusement. Eh bien, j'invite l'Europe et les nations européennes à faire appel à Dieu et à aller vers la repentance et invoquer Dieu afin que les choses que nous sommes en train de voir en Ukraine, ne se propagent pas et qui viennent dans les nations européennes de l'occident l'europe a besoin d'une intervention divine parce que les gouvernements ont émis des lois qui sont une abomination à dieu et lorsque les dirigeants renoncent à protéger la liberté et la dignité humaine il ne peut que aller vers sa destruction ces pays ne peuvent qu'aller que vers leur propre destruction. Donc j'invite tous ceux qui prient, tous ceux qui euh, ont un sens de Dieu, de faire appel à Dieu, et ceux qui ne priaient pas, commencez à prier pour votre nation. Si vous ne priez pas pour votre nation, priez pour Ukraine, parce que et pour la Russie, parce que dans une guerre qui peut devenir mondial très rapidement, il faut savoir de quel camp on est. Et dans le camp, tu dois être dans le camp de Dieu, tu dois être dans le camp de la justice, dans le camp de la, de la liberté. Et faites attention à ce que vous avez dans les médias, parce que tout n'est pas dit, beaucoup de choses ne sont pas dites. Vous ne soyons pas rapides à faire des conclusions. Qui risque d'être regrettable. Mais priez pour les nations, pour les peuples.